Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sous le soleil pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part avec deux copains, donc on est trois avec moi. Et on va à la rencontre d'une personne qu'on avait rencontrée il y a quelques semaines en arrière et qui nous avait fait voir des photos en disant, voilà, venez, j'ai 200 mètres carrés de sous-sol de machine. Il y a de la mobilette, il y a de la pièce détachée. Donc si vous voulez venir me rencontrer, venir voir déjà ce que j'ai. Et si vous voulez de la pièce, eh ben, c'est le moment de venir me voir parce qu'il a dit, voilà, je suis assez revendeur de pas mal de pièces. Parce que voilà, il veut réduire sa collection pour avoir des véhicules vraiment qui sont nickel. Et tout ce qu'il avait stocké avant, qui était à restaurer, s'en débarrasser, entre guillemets. Donc voilà, eh ben, on est arrivé chez lui aujourd'hui. Donc on va aller directement dans l'antre de la collection. On va aller voir un peu ce qu'il a comme pièce. On va aller voir ce qu'il a comme machine. Et qui sait, peut-être faire des achats. Et je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'est visite d'un collectionneur, d'une personne qui a énormément de sous-sol, hein, je pense, on doit dans les 200 mètres carrés de sous-sol, qui a amassé beaucoup, beaucoup de mobilettes, qu'il a acheté dans le temps, récupéré, mais qui ne sont pas restaurées. Ce sont que des machines dans leur jus. Voilà, je vous fais un tour en général, mais regardez ça. C'est juste affolant, hein, de voir autant de machines dans une seule et même pièce. Regardez ça un peu, les amis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour détaillé ensemble de ce qu'il y a ici. Moi, j'ai déjà trié quelques pièces juste avant de vous faire les images, d'accord? On verra si j'achète un cyclo ou pas dans ce qui est là-dedans. Sachant plus ou moins tout est à vendre, d'accord? Il a, on va dire, je sais pas, j'ai pas compté, peut-être une centaine de cyclos, peut-être un petit peu moins ici. Il veut s'en séparer pour après, avec l'argent, en retaper en gros une vingtaine qu'il gardera pour lui, d'accord? Et toutes ces machines qui sont dans leur jus, elles sont vouées à partir en fait. Donc voilà, du coup, nous on est venu voir s'il y avait quelque chose qui pouvait nous intéresser. On est trois potes, on est venu entre collègues. Et puis voilà, on chine, on fouille, et moi bien sûr je vous fais une petite vidéo de tout ça. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière les amis, mais voilà, on va essayer de faire un petit tour, pas trop me mettre devant. Donc on a un petit peu de tout. Là on a du Peugeot 102, une moto bécane, je vais essayer de mettre comme ça, vous verrez mieux. C'est une Type 40, première génération, d'accord. Bon, c'est 40 parce qu'il n'y a pas la suspension, première génération parce qu'on a un peu l'avant d'un caddie. Donc voilà, qui est complète, il manquerait que les carters, le moteur par contre, moteur grippé. Ici, on a un caddie M1P, d'accord. Ça, c'est le premier caddie qui est sorti en 65, c'est la base de base. Juste à côté, on a un Peugeot 101. Ici, on a un 101T, mais qui est floqué avec un autocollant de 102. Je sais pas si on se rend bien compte. Les images, j'aurais dû prendre une lampe en plus, mais voilà. Ici, on doit avoir un autre 102, je pense. Ici, on a une belle petite pépite. Très, très belle machine, je trouve. Regardez la forme du cadre. C'est juste magnifique, là, le travail qui est fait là-dessus. Donc ça, les amis, c'est un cyclomoteur Trophy, en fait, qui est pas vilain, qui est franchement pas vilain. Les gens ne sont pas pires que ça. Après, voilà, je pense qu'il manque quand même des carters, je connais pas assez, il manque une pédale, donc c'est dommage, ils sont pas complets, mais avec la fourche parallélogramme et ce fameux cadre, moi, je trouve que c'est une tuerie. Allez, j'ai sorti le téléphone pour vous éclairer, regardez, ça va beaucoup mieux. Ici, on est sur une Garelli, c'est une Gulp 3V, d'accord. Donc elle a l'air assez complète, franchement. Après ça, c'est pas mon kiff. Moi, c'est pas le genre de machine que j'ai envie d'acheter. Mais voilà, elle est là, elle est jolie. Je vous refais voir juste la série d'avant. Regardez, tout ce qu'on vous a passé avant en image où il n'y avait pas trop de lumière, ce que je vous ai filmé. Ici, on a un petit Honda Camino. Donc il n'a pas le porte-bagages, il manque les carters. Donc voilà, ça c'est beaucoup de machines, hein. On voit, j'ai quand même fait le tour avant de 2-3 réservoirs pour voir l'état. Il y a quand même pas mal de réservoirs qui sont assez rouillés. Donc voilà, là il faut vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait prendre ou pas pour pouvoir la retaper et bien sûr avoir les pièces. Donc de ce côté ici, on a une Peugeot bébé, vous voyez. Ici derrière, alors là on est plutôt sur un 98 cm3, hein, un moteur Saxe. Et ça on se rend pas trop compte. Mais avec la fourche parallélogramme comme ceci, c'est un vélo Benoît Fort, ce qu'on appelle un VBF, et c'est le modèle Cyclorev, voilà, tout simplement. Et la personne qui me reçoit ne le savait pas, du coup je lui ai expliqué, donc ça lui a permis d'avoir quelques infos sur cette machine. Ici on a des motos, d'accord. Donc là, ici, ça c'est des motos tchécoslovaques, voilà, on est sur un, de mémoire, un 175 cm3. Et à côté on a une MZ. C'est joli aussi. Bon, après, c'est un autre délire. Moi, je sais pas les motos. Ici, on a la Peugeot. D'accord. Là, on est sur des motos des années 50. Hein. Là, la Peugeot devant vous, c'est un modèle de 1955. Et on est ici sur une 125. Et allez, on va enchaîner cette série. Alors là, on a toute une série de Peugeot bébés. D'accord. On a des 1V. On a des Grand Tourisme. On a des GT. Voilà, il y a toute une petite série de Peugeot bébés un peu différents. C'est fou. J'en reviens pas d'en voir autant. Ça, ici, c'est une AU79. C'est une moto confort. C'est une AU79. Ça, je n'avais jamais vu. C'est un Gitane. D'accord, vélo moteur Gitane qui est équipé d'un petit moteur ABG. Je ne savais pas que Gitane avait fait ça. Ça, c'est une petite surprise du jour. Voilà, je découvre. Là, on enchaîne. On a du BBCT. Là, voilà.
la Grand Tourisme avec des vitesses. Hop, regardez, voilà. Donc ça, c'est joli. Il y a une belle base. Il y a un peu de boulot quand même, mais on n'en voit pas souvent. Et on continue avec un Peugeot bébé, mais la Terro, cette fois-ci, sous la marque Terro. Et encore deux autres bébés juste à côté. Je reviens sur la moto tchèque, je vous ai pas fait voir un truc, parce qu'il y a une petite subtilité là-dessus. Donc ça, c'est une 123 cm3, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va essayer de se caler et de passer par là. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est le sélecteur de vitesse, d'accord? Vous pouvez monter les vitesses, mais vous pouvez aussi l'enclencher, vous voyez? Je l'ai poussé vers la droite, comme ça. Vous le tournez, avec une main, c'est pas évident. Voilà, ça y est, j'y arrive. Voilà. Et là, c'est votre kick pour démarrer, d'accord? Et quand vous le lâchez et qu'il revient en position normale, hop, il se redéboîte et vous récupérez votre sélecteur de vitesse. Voilà, ça c'est très ingénieux, je trouve ça franchement rigolo. Et on reprend la visite avec ici un Peugeot 102, juste à côté un Peugeot 103Z qui est sans moteur. Je me tâte peut-être pour cette machine, le réservoir a un tout petit peu de rouille dedans, mais je pense que j'ai un moteur qui traîne, c'est des modèles qui sont sans variateur. Donc j'ai un moteur, j'ai des jantes, donc voilà, j'aurais juste besoin en fait du cadre et de la fourche. Et pour le coup, il y a un peu de boulot, mais il n'a pas l'air si vilain que ça. Donc ça, c'est une des machines pour laquelle je me tâte. Allez, on enchaîne. Hein. Il y en a dans tous les coins, les amis. Ça, c'est fou. Là, on a une petite Liberia, d'accord? Très jolie, pareil, en 100 cm3, incomplète. Ici, on est sur une AV3 qui a été repeinte. On a ici un caddie M1P, caddie petite roue, d'accord? Là, encore une mobilette. Donc là, il faudrait regarder exactement le modèle. On est sur une AV40 quelque chose. Une AV48, voilà. AV48, hop. Ici, on a une moto bécane aussi type 40. Là, on n'est pas sur la première génération parce qu'on a la fourche télescopique, d'accord? Et je vous l'ai dit 40 parce qu'on n'a pas les suspensions. Ici, encore un Peugeot bébé. Et pour finir, un dernier Peugeot bébé bleu. Là, la petite verte, c'est une Peugeot Bima, les amis. Et là, on arrive un petit peu sur de la pièce. Voilà, il y a un petit peu de tout. On commence à trier, il y a de la doc. Il y a un petit peu du bidon d'huile, etc. Vous avez des vieux casques. De la doc encore, ici pas mal de pièces, d'accord, brossillante 103, etc, quelques guidons, on voit l'état par terre qu'on a fait, ça on en reparlera peut-être un peu après. Il y a quand même de quoi faire, Suspension, garde-boue, deux cadres de 103, celui-ci est bien rouillé, celui-ci à l'intérieur qui est nickel, donc voilà, à étudier aussi. On a de la jante leleu en 16 pouces, on n'en voit pas souvent, derrière quelques vieux vélos. La jante de... pareil, là c'est de la Momo Design, c'est celle du Peugeot aussi. Et là tout derrière, des séries de jantes à rayons. Donc là on va venir fouiller en fonction des machines qui vont me plaire après. L'avantage, je viendrai voir si je trouve pas des jantes un peu mieux. On a de la dirt démontée, on a des roues, ici des roues de Mobix, quelques pots, des pièces de moto, encore une série de vieux casques. C'est plein, hein. Les 200 mètres carrés quand même sont bien pleins. Une autre zone, on a pas mal de vélos comme ça, vélos un peu des années de la guerre on va dire. Ici, on a un Solex pour moi 5000. Ici, on a un 6000 flash avec transmission par cardan. Ceux qui ne connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, j'en ai un. Encore un vélo, peut-être des années 20-30 quand même. Les vélos sont sympas aussi, hein. Moi j'aime plutôt bien. Et là, toute une série de Solex. 3008 vert qui avait été repeint. À côté, là, on est, vu qu'il est rouge et blanc, c'est un modèle super luxe rouge, d'accord? Moi, je vous avais présenté ce que j'ai dans ma collection, le super luxe blanc qui est beaucoup plus rare. Et voilà, on a toute une série de Solex qui sont incomplets, pardon, pas en très très bon état. Mais voilà, on réfléchit parce que si des fois on a besoin de pièces, bon, bah t'achètes le Solex complet, tu récupères des pièces dessus, puis le reste tu t'en débarrasses ou tu refiles à quelqu'un qui peut avoir besoin. Là, on a encore un Peugeot bébé. Alors, c'est fou ce qu'il y a en Peugeot bébé. Je suis épaté, il y a à peu près toutes les générations. Donc voilà, pareil, dans son jus, pas forcément complet. Et ça, c'est magnifique. Là, on est sur une mandrinette, les amis, une Starfling. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est aussi très, très, très joli. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pareil, on a un petit souci sur les jantes qui sont pas mal piquées, le guidon qui est bien cuit. Mais sinon, on va dire, au niveau du cadre, c'est pas pire que ça. Là aussi, une forme de cadre, hein, vraiment très sympa, avec le réservoir qui s'intègre dedans. C'est franchement très, très joli. On n'en voit pas souvent. J'ai pas regardé si le moteur était grippé ou pas. On va essayer de le checker, mais... Ouais, moteur grippé, de toute façon, on voit, il y a beaucoup d'humidité sur ces machines. Alors, je connais pas leur provenance pour chacune. Mais voilà, il y a quand même pas mal de boulot. C'est dommage, ça c'est aussi un modèle qui me tape à l'œil. On trouve aussi de la pocket bike comme ça, un peu en cross. Ici en modèle course, bon ça on passe dessus. Là on a une petite Flandria. Là on est sur une Comet, les amis, combien de vitesses? 4 vitesses, d'accord? Donc une Comet 4, tout simplement. La mobilette dit la banane, pour sa forme ici, un peu de banane justement. Donc voilà, il y a un petit pot dessus. Le pot est sympa, moi j'aime bien le pot par contre.
Après, elle a été, je pense, bien repeinte. Après, voilà, faut voir le prix, parce que bon, Flandria, j'en ai déjà eu, on en trouve quand même pas mal. À voir. Mais c'est bon, c'est sympa à conduire, c'est l'avantage. En montagne, on a les vitesses. Là, on a encore une Peugeot. Alors là, c'est pareil, entièrement repeinte, vert gazelle. Bon, bah ça, on va laisser tomber, hein. Il y aurait vraiment trop de boulot à refaire. Et il nous en reste encore quelques-unes. Regardez quand même, c'est assez ouf, hein. C'est assez ouf tout ce qu'il y a. On a cette moto ici, une Mania de bon, d'accord. Pareil, dans son jus. Hein. Il y a quand même pas mal de boulot. Hein. Sur toutes les machines que je vous présente, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de boulot à faire. Pas mal de machines démontées. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je filme. Peut-être que certains de vous seraient intéressés, parce qu'il y en a qui veulent peut-être que quelques pièces. Donc voilà, ça permet de se faire une idée. Celle-ci qui est magnifique aussi, hein. C'est une terreau avec la fourche comme ça. Mais voilà, regardez, c'est rouillé. Hein. Ça, clairement, c'est rouillé. Mais bon, c'est comme tout, il y a du boulot, forcément. Ça, j'adore. Je vous en ai présenté un sur ma chaîne, un Poirier, d'accord. Peut-être que là, on est aussi sur un Poirier, j'en ai aucune idée. C'est des véhicules handicapés, hein, tout simplement, avec un système de manivelle. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il est très vieux. Il a des jambes pleines, vous voyez. C'est de la gomme dure. Le problème, c'est que la gomme, à cet endroit-là, eh ben voilà, éclatée. Mauvais entreposage, et du coup, ben voilà, pour refaire ça, c'est impossible. Sinon, ça m'aurait plu. Le tonneau, c'est une option, hein. C'est là juste en déco. Mais voilà, ça, c'est le genre de machine aussi que j'aime beaucoup, qu'on voit pas souvent, qui est atypique, qui attire l'œil quand on fait de l'expo. Mais bon, voilà, je passerai aussi mon chemin sur celle-ci. Et là encore, un petit vélo. Et derrière, il y a pas mal de matos. Regardez, il y a de la guitare, des skis en bois, il y a énormément de trucs, des bidons et tout. Toute une série de réservoirs aussi, les amis. Hop là! On va enchaîner. Là, je pense, on est sur de la Tobey 99Z. On a du Peugeot bébé. On a de la moto, de la KTM. On a aussi du Peugeot à vitesse. On a du New Map. On a du terreau. Ici, on a du Peugeot bébé, des réservoirs de Peugeot 104. On a encore du terreau avec les réservoirs Cercueil. On a du Benoît Fort, du Royal Savoie, du M7, du Solex au bout. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pièces ici. Là, quelques feux. Pareil, j'ai encore pas checké les phares. Je vais regarder si je trouve mon bonheur ou même du clignotant Novi comme ceci. Voilà, c'est le genre de petits trucs des fois qu'on n'a pas et qui permettent d'avoir de la pièce d'époque et de pouvoir retaper une machine. Maintenant, on va rentrer dans cette petite pièce, d'accord. Où là, bon, voilà, c'est pas plein, mais il y a un petit peu de matos aussi. Il y en a de partout, en fait. Et là, on va retrouver, par exemple, des suspensions. Voilà, des amortisseurs, pardon. Quelques petits cale-pieds comme ceci, des poignées et quelques rétros rangés comme ça dans les ourdis, c'est marrant. Quelques guidons encore qui traînent là, quelques pièces, quelques bouts de peau d'échappement. Voilà, faut vraiment tout checker. Vous voyez, par exemple, là, il y a des rotules. Voilà, je vais tout regarder vraiment précisément, tout fouiller pour être sûr de ne pas passer à côté d'une petite pièce qui pourrait m'être utile. Allez, voilà, les amis, je pense vous avoir fait un petit tour de toutes les machines qui sont présentes ici. C'est quand même un truc de fou de voir ça. C'est une personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit, bah voilà, à l'occasion, si tu veux passer, qui a priori en avait beaucoup plus avant, qui en a déjà vendu énormément, hein. Donc je pense que peut-être d'autres personnes connaissent ce lieu. Et donc voilà, moi je suis content, je suis venu. J'ai pas vraiment de gros coup de cœur. J'ai trouvé quelques pièces. Je vais vous faire voir après les pièces que je mets de côté si je les achète. On n'a pas parlé d'argent pour l'instant. Donc voilà, je vais étudier un petit peu tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez ouf de voir un sous-sol comme ça. Et je vous emmènerai aussi après au-dessus, à l'étage. Il y a un garage, il a quelques machines en haut et aussi une très jolie voiture, les amis. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Et là, voilà, c'est des... Voilà, on dit des fois que c'est un peu comme une maladie de collectionner, hein. Comme moi, on collectionne, on achète beaucoup de pièces, beaucoup de machines qu'on retape. Donc voilà, moi je fais pas ça. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de collection que je fais pas, c'est stocker des machines dans leur jus. Moi j'aime pas trop ça, je préfère avoir une machine, bosser dessus tout de suite, ou en mettre quelques-unes de côté, ça peut arriver. Mais essayer de travailler sur ces machines pour stocker du véhicule qui est en parfait état, qui est prêt à rouler. Parce que là, clairement, il n'y a rien qui peut rouler. Par contre, elles ont le mérite d'être là, elles sont dans leur jus, elles n'ont pas été trafiquées pour la plupart. Si elles l'ont été, c'était il y a des années. Donc voilà, c'est ça qui est agréable quand on tombe sur des lots comme ça. C'est que voilà, on pourrait peut-être tout acheter. On pourrait peut-être faire un lot complet et partir avec tout. Bon là, c'est vraiment pas l'idée. Moi, il y a beaucoup de machines que j'ai. Mes potes aussi ont fait quelques petits tas de pièces pour 2-3 pièces qu'on pourrait avoir besoin pour retaper. Et donc voilà, moi je vais réfléchir. Il y a peut-être le caddie M1. J'en ai déjà un, mais celui-là il me plaît bien. Il a l'air complet. Il n'a qu'une jante avant qui est cassée. Donc si je trouve la jante dans les pièces, je vais peut-être l'acheter. Il y a la 103Z ici. Qui me fait de l'œil aussi, je me dis je peux peut-être la remonter avec, vous savez, vous aviez vu mon 103 où j'avais passé un stylo dans le réservoir était complètement mort, bah voilà, c'était un modèle sans variateur, il faut peut-être remettre le moteur dessus, les jantes, j'ai des jantes avec des pneus neufs sur l'autre, voilà, je peux faire un petit micmac et me remonter un petit 103Z qui sera pas full stock, mais qui sera très joli esthétiquement. Après c'est les carters qui manqueront, donc voilà, faut que je fouille, mais je crois que j'ai pas vu les carters, donc voilà, je vais encore faire un petit tour, faut pas être
Faut vraiment pas être pressé, hein. Vous voyez, ça fait peut-être déjà une heure que je suis là entre les vidéos, discuter avant, regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et je vais encore refaire un tour, réfléchir, bien tout refouiller pour être sûr de ne rien rater, parce que c'est clairement un endroit où je reviendrai pas. Hein. On est là aujourd'hui, et voilà, c'est juste l'occasion qui fait. Par contre, c'est un contact que je vais garder, parce que la personne, elle est comme ça, elle est super sympa, on s'entend très très bien, et voilà, ça fait plaisir de discuter avec des passionnés. Mais voilà, belle découverte, non? Et je suis content de vous partager ça en vidéo, en ce début d'année, d'entrée de jeu, on rentre dans le game, on tombe sur ça. Bah franchement, ça le fait, c'est grave cool, et je suis grave content. Regardez, je suis en train de faire mon petit tas. Un cadre de 103 que je vais acheter, je sais pas ce que j'en ferai, d'accord. Il y a quelques guidons, voilà, un petit guidon custom pour un projet que j'ai. Il y a ce petit pot Cito, vous voyez, un pot Cito d'époque. Il y a quelques compteurs, voilà. Donc c'est des pièces que j'achète, j'ai peut-être pas forcément besoin à l'instant T. Je me dis que ça peut servir, quelques carters de chaudron, des suspensions gaz Paioli, voilà, c'est autant de pièces qui peuvent peut-être me servir ou qui pourront dépanner un copain ou faire de l'échange. Vous voyez, donc je me dis que c'est des pièces qui peuvent être utiles, qui ne courent pas forcément les rues. Donc voilà pourquoi je suis en train de mettre ça ici. Et les achats sont faits les amis, je vous profite de vous faire voir ça aussi. On est chez un vrai passionné de la collection, hein, clairement. Regardez ici, pas mal de miniatures. Et encore un mur complet ici. En fait, je remonte, hein, ça c'est... là je suis en train de ressortir pour aller chercher un chargeur. Parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone, à force d'éclairer avec la lampe, j'ai tout bouffé. Et surtout un chéquier pour payer ce que j'ai acheté. Et je vous ferai voir après. Regardez aussi ce projet qui est en cours. Peugeot BB104. Ça c'est magnifique, voilà, avec je crois ici une poche aussi, qui est en travaux, donc voilà, ça c'est des machines qui va entièrement refaire. Et allez voilà, on a tout sorti pour faire un petit tour, alors, ça c'est Dams qui a acheté une jante Leleu, le carter là qui va être pour une 99Z je crois, un guidon de 51, derrière on a toute une collection de plaques complètes pour moto, mobilette, terreau, etc. et un garde-boue. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que, donc 150 euros, t'as payé ça, voilà. Donc là juste les plaques c'est cool hein, parce que franchement il y a toutes les marques, ça on en a toujours besoin et souvent c'est ce qui manque. Donc ça franchement tip top. Si acheté avant moi je crois que sinon j'y aurais pris moi. Il y a pas mal de machines que j'ai en plus et voilà ça c'est cool. Moi derrière j'ai pris tout ça, donc on a le cadre de 103Z d'accord, qui pour moi peut me permettre de sauver mon 103V bleu que je vous avais fait voir où je passe à travers le réservoir. Je pense que c'est le même support donc je pourrais tout remonter sur celle-là, la machine, les jantes, les pneus, le moteur et en fait refaire 103Z. Donc lui il a été acheté, j'ai pris avec ici les deux suspensions Paioli qu'on voit ici, gaz, d'accord. On a celle-ci qui est incomplète aussi, qui est venue là pour pièce. On a un guidon réglable, peut-être pour un projet custom. On a ça, ça je connaissais pas, j'avais jamais, t'avais déjà vu ça Dams? C'est un porte-bagages 103, mais bien chromé, donc c'est même pas du fait maison. Mais pareil, ça ira sûrement sur un projet custom à suivre les amis. On a ce guidon là. Pareil, qui ira peut-être sur le projet custom, soit je mets celui-ci, qui ressemble un peu au 51 Super, réglable, mais un peu moins haut, soit je mets celui-là. Je trouve que la forme est pas mal. Là, ce guidon-là, ça, tu connais, ça? Magnum XR. Ouais, voilà, petit guidon chromé. Après, il y a... Derrière, j'ai pris aussi ça, des carters comme ceci, pour AV89, le petit cache-courroie qui va au bout, un pot de 99Z, deux compteurs, celui-ci en Transval 120 km/h, celui-ci en Peugeot blanc 70 km/h, un petit pot Cito comme ça, aussi d'époque, et une petite pompe spéciale mobilette. Moi, tout l'ensemble là, avec. Ah, il y a le cadre aussi, j'ai pas fait mieux. Le cadre 203 qui est intérieur nickel, un broussillant que j'ai pris. Pourquoi? Parce qu'il a la béquille sur le côté. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je connais pas assez. S'il y en a qui peut me dire qui va ce broussillant, d'accord, avec une béquille latérale d'origine côté droit. Je suis preneur, on a un axe, une poulie. Donc moi, pour cet ensemble-là que je viens de vous filmer, là, c'est au total 350 euros voilà, d'investissement. Et derrière, on a Eric qui a mis... Combien, Eric, il a mis 150 euros 150 euros, qui s'est pris un carter pour Peugeot 104, une jante 17 pouces pour Peugeot type RCX, un gros carbu moto parce qu'il a aussi quelques motos, une vieille couronne, 2-3 caches phares, et cette jolie ronçon de chez Ronçonnette en 5 ans. Donc c'est Eric en a déjà une. Donc c'est cool, là ça lui permettra de refaire cette machine qui a l'air complète, un petit peu abîmée mais complète. Donc franchement bah voilà. T'as rien oublié Guillaume? Vas-y Po, j'avais oublié d'y prendre, c'est vrai, oh putain, hey, mais... Ah oui, dans l'eau il y avait encore ça, j'avais oublié que j'ai acheté ça aussi. Il marche sur les pièces que j'ai encore pas payées. Ah oui, oui, dans l'eau là que j'ai pris à 350, j'ai aussi pris ça. Il y a le bidon Axo, un antigel, deux petites lampes. Ça, c'est des lampes acétylène. C'est pour mettre sur mon grand bi. J'ai un grand bi. Donc voilà, avec les deux, je vais essayer d'en refaire une.
c'est cool. Celle-là était ressoudée, cassée, mais il y a le petit tétine. Lui, il l'a pas. Bon, voilà. Et encore une petite série de bidons, un Total, un BP, un GLI, un Castrol, un Antare et la petite burette ici, SO. Donc voilà les petites trouvailles du jour. Et je voulais vous faire voir autre chose aussi, regardez, ce collectionneur a aussi cette magnifique R8 de 75 je crois. Voilà, c'est un collègue à moi qui lui a vendu il y a 18 ans, c'est ça qui est ouf, quand je l'ai vu je l'ai reconnu tout de suite parce qu'il l'a gardé dans le même style jaune, refaite hein, en jaune et blanc, restauré et tout, mais si vous voulez il a gardé le style que mon collègue lui a vendu il y a 18 ans. Et ça c'est assez ouf, et j'essaierai de revenir, hein. Si vous avez suivi, vous avez vu qu'il y a ma deuxième chaîne YouTube, qui est ma chaîne on va dire hors série, qui s'appelle Adieu le Bobé. Les amis, si vous n'êtes pas dessus, je vous invite à vous liker, à vous abonner, voilà, je vais y arriver sur cette chaîne, parce qu'il y aura pas mal de 4 roues qui va arriver, et voilà, je pense que je reviendrai, qu'on ira filmer et essayer cette voiture, je pense que ça peut vous plaire, hein. Ça sera un autre délire, mais voilà, et moi j'ai un gros projet qui arrive, avec un road trip voiture, donc voilà, c'est affaire à suivre. Pour ceux qui veulent me suivre dans un autre délire autre que la mobilette, je vous invite à me rejoindre donc sur ma chaîne Adieu le Bobé, et je pense que celle-ci on la reverra. Et juste à côté, regardez encore la folie du deux roues, on retrouve pas mal de machines. Alors là, je pense qu'on a une petite terreau, je veux pas dire de bêtises, de 1947. Derrière, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? C'est un RDX, RDX. Tu vois, j'étais pas sûr. Yamaha RDX, c'est joli ça aussi, hein. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est la moto de tous les jours, on passe. Ici, on a une Peugeot. 155. C'est une 150 cm3 ça. 150 ouais. Ça existait? Je crois qu'il y avait 125 ou 175. T'es sûr que c'est 150? C'est 155. Ah, c'est le type 100, d'accord. C'est un 150 cm3. D'accord, ok. Bah, elle est belle hein, dans son jeu en plus. Belle patine. Hein. C'est cool, un petit moteur push là qui traîne. Après, on a celle-ci, là c'est une terreau les amis. Là, on est plus sur vieille moto, on est plus du tout dans mobilette. On a celle-ci qui est flambant nickel. Terreau de 48. Regardez un peu si elle est chouette. Là, il y a un triporteur qui est en train de se finir, qui est magnifique aussi. Il y a du bon boulot. Derrière, un Solex qui avait été fait. Regardez un Solex avec derrière la petite remorque comme ça. C'est du fait maison, hein, mais ça rend super bien. Je trouve ça nickel. Et puis, on va aller derrière voir un petit peu ce qui se cache. Et donc, voilà, derrière, on a un petit 101 ou 102. Je ne saurais pas trop dire. Et on a ce Mobix qui est là, je vais essayer de passer sans rien l'abîmer. Voilà, je suis passé. Donc un Mobix, hein, je vous rappelle, le Mobix et le Caddy X1, ça n'a rien à voir, d'accord. Le Caddy X1, c'est-à-dire le modèle qui était blanc avec une poignée, est un modèle à moteur isodine, comme le Caddy. Et son nom, c'est Caddy X1, et non Mobix. Et le Mobix, c'est le modèle qui a le moteur AV7 à variateur. Et il existait donc en jaune, donc là il est délavé, d'accord, mais c'était bien jaune à la base, en bleu ou en orange, en saumon. Et là, c'est celui qu'on peut appeler Mobix, voilà. Ça, c'est pour vraiment être puriste dans le terme. Après, même s'ils ont vraiment la même forme, et que souvent, on leur donne à peu près le même nom. Et juste derrière, on a une petite push comme ça aussi, qui est là. Je pense en attente de restauration, mais il a l'air d'avoir une très très belle base. En tout cas, voilà, que de machines, que de découvertes ici, les amis. Je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. Je remercie la personne qui m'accueille, qui m'a autorisé à faire les vidéos et à parler de ça sans souci. Une petite Fantique qui est là aussi. Celle-ci, elle a débarrassé, hein. D'après ce qu'il m'a dit, il manque un segment et l'allumage. Mais voilà, c'est une 125, je crois qu'il m'a dit, c'est ça. Et donc celle-ci, je crois qu'il allait à vendre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a vraiment des gens intéressés, je pourrais peut-être vous filer un numéro, un contact, à voir. Voilà, j'ai pas donné l'adresse et le numéro comme ça à tout le monde. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent des pièces ou moi je viens vous les récupérer, ça sera avec grand plaisir si je peux dépanner du monde. Allez, on a chargé. Bah, ils ont chargé pendant que je faisais les vidéos. Et regardez aussi ce que je récupère. Donc ça, c'est Eric qui m'a reçu, d'accord, qui me l'a offert. Je l'avais vu tout à l'heure, je le trouvais mignon. C'est un vieux pistolet à plomb d'époque, d'accord. Bon, j'ai pas de plomb, mais voilà. Et. Ouh. Alors, c'est pas une vraie arme, hein, je le dis tout de suite, je le mettrai pas en vidéo, hein, c'est vraiment un jouet pour enfants, mais c'est un vieux jouet en métal d'époque, donc je sais pas de quelle année c'est. S'il y en a qui connaissent, vous me dites, les amis, mais voilà, il y a franchement un bon délire. Quand tu recules, ça recharge, tu tires, voilà. Bon, c'est le petit cadeau qui fait plaisir, c'est le petit plus. Moi, j'avais amené aussi quelques cadeaux au début, je vous ai pas filmé, mais donc voilà, ça me fait plaisir. Et rien à voir avec les mobs, mais celui-là, il va aller à la maison. Hop, petit chasseur. Allez voilà les amis, c'est chargé, regardez, ils m'ont même fait un petit cadeau, on en a eu deux, il en restait deux, des vieux Bob Circuit Paul Ricard. Donc voilà, je sais pas si j'ai le style mais ça me plaît, hein. On dirait Lorenzo. Et du coup voilà, du coup on est bien content, de beaux achats, voilà, c'est plutôt cool, tout le monde a trouvé quelques pièces. Et vu qu'on a encore du temps, on a passé la matinée complète ici, hein. On est arrivé à 8h30, il est midi et demi, donc voilà le temps qu'on a passé ici. Et en fait, bah maintenant, on va aller manger, il y a un petit resto dans le coin, et bah on va aller casser la croûte avec les potes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.